Vous êtes écrivain et vous cherchez à avoir des personnages impactants? Lisez ce roman, car c'est un sans faute. Salut les lecteurs, c'est Sod et aujourd'hui je vous présente le premier tome de Requiem pour un murmure silence. C'est un livre de Ena L qui est sorti le 16 février 2022 et dont la suite est sortie le 9 avril 2022. Enael est une autrice prolifique qui a publié pas moins de 28 romans en 5 ans, notamment Not a Fucking Romance, La Reine des Détestés ou encore la trilogie Là où tu te perdras. Elle écrit depuis ses 11 ans avec sa cousine et donne vie pendant son adolescence à des personnages plus vrais que nature qui habitent aujourd'hui ses romans. Ce qu'elle aime, c'est raconter une bonne histoire et faire rêver. Elle aime distiller le suspense jusqu'à la dernière page et faire en sorte que le lecteur soit toujours surpris. Allez, passons au résumé. Nous sommes en 2095. Les épidémies ont ravagé le monde que nous connaissons. La grippe XX a tué 99% des femmes. Les dernières survivantes gouvernent ce monde en ruine et les habitants sont réfugiés dans d'énormes cités fortifiées. Derrière ces murs protecteurs, pas de virus mortel, pas de criminalité, de racisme ou de guerre. Les soldats veillent sur vous en échange de votre liberté. Votre vie est toute tracée grâce à une IA qui décide pour vous votre prénom, votre métier, votre catégorie sociale et même avec qui vous vous mariez. C'est dans ce contexte que nous suivons Yu, un homme de catégorie 5, employé de maison close au sein des bidonvilles. Voleur frivole et escroc, à rien ne le prédestine à devenir une pièce maîtresse. Mais parfois, il suffit d'un murmure pour que tout bascule. Vous voulez en savoir plus? On en parle tout de suite dans la partie no spoil. Requiem pour un murmure, c'est top. C'est un mélange de SF, de dystopie, d'anticipation et de romance. L'histoire est magnifique et très bien pensée. Le monde dépeint ici fait froid dans le dos. Mais il fait réfléchir. J'ai rarement pris une telle claque, et pourtant le début est difficile. Non pas que ce soit mauvais, mais parce que ce qui arrive au personnage principal est vraiment éprouvant, que ce soit psychologiquement ou physiquement. De plus, le sexe entre hommes ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'a fait tenir, c'est l'univers qui semble attirant dans ce qu'il propose. On découvre qu'en France, deux peuples se font face, la République et le royaume, et qu'ils sont régis à peu près de la même façon. Les quartiers sont divisés en 5. Tout en bas de l'échelle, nous avons les défaillants, les ouvriers qualifiés en 4, les infirmiers, militaires et commerçants en 3, les notables en 2, et enfin les scientifiques et décisionnaires tout en haut de l'échelle en 1. Côté personnage principal, nous avons Yu, un jeune homme des bidonvilles qui n'a pas grand-chose pour lui, à part son adorable chienne Pixie. Son humour est malaisant et il a des réactions de détraqué mental. Mais quand on connaît son passé et son présent, on ne lui en tient pas rigueur. Il le dit lui-même, tous les gens sont dingues en catégorie 5. Plus les chapitres passent et plus on sombre dans la folie avec Yu. Cette réalité sordide vous glace le sang et pourtant, il continue d'avancer, le sourire aux lèvres. Lui qui n'est rien et dont la vie n'a été qu'un calvaire constant. Yu est une bouffée d'oxygène dans un monde pourri. On apprend à l'aimer petit à petit, à rire de ses blagues bizarres et à être impressionné par cette force de caractère. L'histoire s'enchaîne entre moments de répit dans la vie de Yu et des épreuves terribles à surmonter. La romance fait du bien, tant nous avons besoin de souffler 5 minutes entre des scènes de tourment. Est-ce trop? Peut-être, mais une évolution de personnage ne se fait pas sans casser des œufs, si j'ose dire. J'ai l'impression de ne pas vous vendre du rêve. Et pourtant, la première partie va sublimer la deuxième. Tenez bon, ça vaut le coup. Attention, nous allons rentrer dans la partie spoil. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui ne veulent pas être spoil, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir pour écouter la fin de cette vidéo et venir en parler avec moi dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas, un avis sera toujours subjectif et c'est normal, on est humain après tout. À bientôt!
Notre Yu est en fait le petit prince du royaume d'à côté. Il s'appelle Yurim et il est le fils du quatrième concubin de la reine. Pour rien au monde, il ne retournerait au royaume. Et pourtant, son mari Seoras tombe gravement malade et la seule façon de le sauver est de tout révéler à la présidente Izzet de la République et de passer un contrat avec elle pour qu'il aille comme espion là-bas. Seulement, dans sa jeunesse, il était le petit cygne noir que tout le monde déteste. Il était frappé, haï par les enfants de la haute société et même sa mère a essayé de le tuer, d'où sa fugue. À son retour, il devient, malgré lui, prétendant au trône et donc l'homme à abattre. La reine va mobiliser l'armée et va nommer la première sentinelle royale garde du corps du petit prince. Une relation difficile va alors commencer entre Mira et Yurim. Après de folles péripéties et une belle histoire d'amour, Yurim découvre que son vrai père est vivant et qu'il est séquestré par sa mère, la reine. On découvre que Mira est une agente dormante juste après qu'elle ait tué la reine et fait accuser Yurim de son meurtre. Il s'échappera de justesse grâce à Mira qui ne supportait pas de le voir mourir. Le dénouement de l'intrigue est un déluge d'émotions. On sait enfin pourquoi la reine déteste Yurim, celui qu'elle regarde avec dédain et qu'elle photographie toutes les semaines. C'est le fils d'Alexander, l'homme qu'elle a toujours aimé, mais dont l'amour est à sens unique. Que cela ne tienne, c'est la femme la plus puissante. Il suffit de le séquestrer dans ses appartements privés et de lui faire un enfant. Bon, j'adore la fin, mais le reveal sur Mira m'a laissé un goût amer. C'est une sentinelle royale, le plus haut grade de l'armée, et c'est une espionne et l'instigatrice de ce plan maléfique en plus de ça. Ça sonne faux. Enfin, je m'en suis persuadé. Je me disais qu'un amour aussi fusionnel, transcendant, ne pouvait pas être rattrapé par des codes moraux, des devoirs, des obligations. Et pourtant, si. Enael est incroyable car elle travaille sur la puissance de nos émotions au travers des personnages, et notamment la subtilité des sentiments entre eux. Mira peut totalement réagir comme ça. Bon, le twist de dire que c'est elle qui organise tout, j'accepte. Mais pour le reste, c'est faisable. Bon après, il y a une seule chose qui me dérange, c'est qu'on est souvent du point de vue de Mira, elle tombe amoureuse, elle essaye de sauver le prince, mais dans son plan, il est censé mourir. Et ça, ça ne la dérange pas jusqu'au climax, où là, catastrophe, c'est la fin du monde. Cependant, elle doit lutter entre son amour pour Yurim et son conditionnement. Car oui, c'est impossible de devenir une espionne aussi jeune en partant du royaume d'à côté sans avoir été préparée psychologiquement, avoir été entraînée et conditionnée. Et malgré l'amour qu'elle a pour Yurim, elle doit le sacrifier pour ses idéaux. Et c'est là que c'est parfait, car elle va quand même le sauver à la fin. Franchement, Enael a une faculté pour décrire les émotions. Et ce n'est pas tout. Les lieux, les scènes, les descriptions sont aussi impeccables. C'est vraiment difficile de maîtriser autant de domaines dans l'écriture. Et elle y arrive parfaitement. Le seul point négatif que je vois dans ce livre, c'est qu'il n'est pas fait pour tout le monde. L'histoire est magnifique et la critique est belle, mais le début est vraiment dur. La vie d'Yurim n'est pas facile du début à la fin. Et il s'est habitué, et nous aussi d'ailleurs. C'est l'humain qui tente de s'accrocher à la vie par tous les moyens. Ce qui est assez fou en comparaison de son père, Alexander, qui cherche à se suicider tout du long. Après, on le comprend, sa vie est aussi pourrie que Yurim, mais c'est deux hommes que tout oppose fondamentalement. J'ai hâte de lire le tome 2. Yurim s'échappe en compagnie de Maestri et va donc baigner dans une atmosphère révolutionnaire. Il va forcément embrasser la cause. Après, ce n'est pas un combattant. Il préfère fuir, mais il deviendra malgré lui un symbole d'espoir. Pour conclure, dans ce roman, il y a une grosse barrière à l'entrée. Le héros du début est antipathique et certains lecteurs vont trouver ça insoutenable. Mais c'est ce défaut qui en fait sa plus grande force par la suite. C'est un tourbillon émotionnel qui vous fera exulter de plaisir à la fin. Et pour cause, l'histoire de Yu est touchante.
Les personnages sont plus vrais que nature et l'histoire est cuisinée aux petits oignons. Requiem pour un murmure, c'est une dystopie qui touche la corde sensible et qui vous laissera une marque très longtemps. Merci de m'avoir écouté et si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Discord et Livre Addict. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et notamment les pépites de Wattpad sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée et surtout n'oubliez pas, un avis sera toujours subjectif et c'est normal. À bientôt !